Je m'appelle Hugo. J'ai 27 ans, une double licence en administration et management des entreprises et en marketing et stratégie commerciale. Et sans oublier mon MBA. Broglio a une licence de chimie ainsi qu'un master en biologie cellulaire et moléculaire. Nous faisons partie de la génération la mieux formée de l'histoire du pays. Celle qui allait faire entrer l'Espagne dans le club fermé des champions de l'économie mondiale. La génération de ceux qui allaient mieux vivre que leurs parents. Et qui finissent comme leurs grands-parents. Des émigrés qui payent les pots cassés de l'Europe. Aujourd'hui, on nous appelle la génération perdue. Pourtant, je suis pas perdu. Je sais très bien que je travaille 10 heures par jour dans un resto turc de Berlin, et je sais que tous les soirs, quand j'ai fini, je pue le falafel et je sors du resto en me demandant « Bon sang, comment j'ai pu en arriver là ?» Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra, de tu santa siesta, ahora te despierta, versos de poeta. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida España mía, esta España nuestra. Mi querida España mía, esta España nuestra. T'en penses quoi? Ça va pour rencontrer mon chef? Je présente bien? Et ma cravate? Elle est pas trop voyante. Merde, y a un fil! Hugo, ne t'affole pas pour un bout de fil, voyons, mon amour. En général, on s'affole quand on n'a pas de boulot, pas quand on en a trouvé. Oui, bah, je te rappelle que depuis 3 ans, je frappe à la porte de toutes les boîtes du pays. J'ai tellement entendu ça que j'ai l'impression que c'est devenu mon nom. Hugo, on vous rappellera bientôt. Dès la fin de nos études, mon père a proposé de t'embaucher dans sa société. Ton père? Ah mais si, t'as raison. Chaque fois qu'il me voit, il me tend les clés de sa voiture pour aller la garer. Mon amour, laisse-le faire. Pour épouser sa princesse, aucun homme au monde ne sera assez bien. Bah il me connaît encore très mal, Nadia. Je viens pas d'une famille de nobles, mais je suis pas un moins que rien. Sinon, j'aurais pas été recrutée par une boîte aussi prestigieuse que celle-là. Le résultat de 4 ans de recherche se trouve dans cette culture. C'est un microscopique pas pour les scientifiques, mais un grand pas pour... Broglio, c'est à nous que tu parles. C'est un microscopique pas pour les scientifiques, mais un grand regarde pas pour... Regarde ce que ça donne, idiot! C'est stable. J'appelle la revue Science. Ils vont devoir se battre pour me publier maintenant. On a réussi. Monsieur, vous avez entendu? On a réussi. Préparez votre smoking, on part à Stockholm. Cette année, on a le Nobel. Vous savez, j'ai fait tout mon possible. Mais il y a des réductions de budget partout et ce laboratoire va aussi en pâtir. Quoi? Pardon, monsieur, excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Je suis le nouveau directeur financier, je commence aujourd'hui. Partez vite avant d'être accusé de quoi que ce soit. Ôtez vos mains du bureau. Mais il doit y avoir une erreur. Vendredi, j'ai rencontré monsieur Guillet. Je pourrais peut-être le voir. Je crois qu'il ne pourra pas vous recevoir. Je ne sais pas d'où sortent ces livres de compte. Je vous l'ai dit, je n'ai rien à voir avec ça. Non, non et non, c'est trop facile comme ça. J'exige une explication. Qu'est-ce qui se passe? On a poussé nos travaux bien au-delà des limites budgétaires. Mais calme-toi, j'ai peur que tu fasses un affaire. Bah non, je ne me calmerai pas. Sans bourse, tu n'as aucune couverture médicale. Je suis désolé d'en arriver là. Hé, mais attendez, qu'est-ce que vous faites? On va pas abandonner aujourd'hui après tous les efforts que ça nous a coûté. Des journées entières sans manger ni dormir, sans voir ni la famille ni les copains. J'ai même pas pu draguer une nana. T'es sûr que c'est seulement à cause du projet? Enfin, c'est pas important ça.
L'important, c'est de faire quelque chose. Et si on manifestait dans la rue? Mais non, c'est foutu. Et une pétition? Ça, ça marchera. Bien sûr. Et si on cherchait un mécène? Tu as mis aussi des langoustines? Mm-hmm. Tu ne crois pas que tu en fais un peu trop? Prospero, si on se comporte comme la classe moyenne, on restera dans la classe moyenne toute notre vie. Oui. En plus, ce n'est pas si fréquent qu'on déjeune avec notre fils, le directeur financier. Hein? Là, je suis d'accord avec toi. Ça nous a coûté beaucoup d'efforts, d'accord? Oui. Mais notre garçon entre dans le monde du travail par la grande porte. Il va falloir que je trouve un autre travail. Un autre travail? Comment? Mais que s'est-il passé, Hugo? Selon le directeur, un malentendu. Et selon le fisc, il y a eu malversation financière, évasion de capital et détournement de fonds publics. Et ils te fourniront aucune référence. Pauvre chou. Bon, écoute, demain j'irai réciter une neuvaine à Saint-Isidro le travailleur. Il travaillait beaucoup, il peut sûrement t'aider. Maman, dans ce pays, il y a plus de 5 millions de personnes qui prient pour trouver un emploi. Tu crois que Dieu a assez de miracles en stock pour tous? Hugo. Laisse-le. Laisse-le. On mangera pas ces bestioles. Tu crois qu'on peut les rendre, hein? Les rendre à qui? À la mère? Hmm? Donne ça, demain j'ai l'intention d'inviter les filles du club à un brunch. À quoi? Un brunch. Un brunch. Un brunch. C'est qui les ploucs maintenant? Ça fait 2 ans qu'on travaille comme des bêtes et qu'on donne tout ce qu'on a. Et du jour au lendemain, on se fait foutre dehors, les enfoirés. On nous pousse pour avoir des résultats et pof, plus d'argent dans les caisses. En Espagne, les seuls qui font de la recherche, c'est les flics. Mais nous, on a une bonne formation. On a des diplômes. Le pays a beaucoup investi sur nous. Pourquoi ils iraient ensuite gaspiller tous ces efforts? Allez, je vais lui dire, va. Au supermarché, il paraît qu'il recrute des employés de rayon. Ciao. Bon, très bien. Vous laissez tomber. Et vous allez voir ailleurs. C'est sûr que ça va tout arranger. Eh ben, en Espagne, j'avais pas de travail. Pas de maison et pas d'avenir. Alors, soit je me coupais les veines, soit j'émigrais. Et comme j'ai peur quand je vois le sang couler, je suis venu ici, à Berlin. Pourquoi avez-vous choisi l'Allemagne? Bah, pour la bonne bouffe et le climat. Non, restons sérieux. En Espagne, il n'y a pas d'avenir et ici, j'ai eu des opportunités qui n'existent pas dans notre pays. Oui? T'as vu ça, la télé? Attends, va moins vite, bon sang, je comprends rien. La télé? Bah, le temps que je me lève et que j'allume, sois pas si pressé. Eh oui, pour les Allemands, c'est un super bon plan. On est de la main-d'œuvre qualifiée qui ne leur a pas coûté un sou. Moi, par exemple, je suis un technicien spécialisé de la gestion en milieu urbain des déchets. Vous n'avez pas l'intention de rentrer? Réfléchissez. Pourquoi je rentrerais? Vu que je gagne en une semaine ce que je gagnerais en Espagne en un mois. Non, on ne me fera pas bouger d'ici, même s'il y a un autre low-cost. Hein? C'est pour plaisanter. En fait, j'ai plein d'amis juifs, vous savez. T'as entendu? C'est comme si ce gars s'adressait directement à nous deux. C'est trop. Là-bas, il y a du boulot, c'est sûr. Et ils veulent de la main-d'œuvre qualifiée. Et qui est plus qualifié que nous? Là-bas, on nous donne la possibilité de travailler. Ils investissent dans le talent des gens. Ouais, et on comprend pourquoi les Allemands ont inventé l'imprimerie, le moteur à réaction, l'aspirine. Et qu'est-ce que l'Espagne a apporté de mieux au monde? La serpillière. C'est pour ça qu'ils font la loi en Europe. Pourquoi travailler pour des intermédiaires quand on peut bosser avec ceux qui mènent la danse? Bon voyage. Tu paries? Dans 2 ans, on passe à la télé et on poussera les autres à venir ici. Ça, mon pote, c'est sûr et certain. Bienvenue dans le miracle allemand. Bon sang, il fait un de ces froids. La crise ne les a pas affectés, mais le réchauffement global non plus. On n'est pas là pour se dorer au soleil. On est là pour travailler. Exactement. Bon, voyons si je peux repérer où habite notre logeur. Ok. Guten Tag. Dame, bitte. Können mich. Helfen? Wir sind Spaniard. Spanier. Armer Junge. Elle m'a fait l'aumône. Mais qu'est-ce que Merkel raconte sur nous pour que les gens fassent ça?
Ben, on va vite les faire changer d'opinion. Ils vont voir de quoi on est capable. Hey, ça va pas, non? À vélo, on roule pas en cagoule, crétin. J'ai pas de cagoule et je suis pas un crétin. Hé, hey, t'es espagnole, toi. Espagnole et mal élevée. Elle me fonce dessus en vélo, mais elle s'excuse surtout pas. Et tu crois pas que je vais m'excuser? C'est toi qui aurais dû regarder où tu marchais. Pourtant, c'est facile, c'est écrit en gros. Et si tu sais pas lire, il y a même un dessin pour te l'expliquer. Le levier de vitesse est cassé. Et merde, en ce moment, les mecs m'en font voir de toutes les couleurs. Je te signale que je viens à peine d'arriver. Si les Allemands sont pas sympas avec toi, te venge pas sur moi. Non, mais quel imbécile! Espèce de mal baisé! Merci pour l'accueil. Oublie cette fille, va. Ce qui compte, c'est que les Allemands vont nous accueillir à bras ouverts. Viens, allons voir par là. Dis, on a pris des billets pour Berlin ou pour Istanbul? Oui, il y a de quoi douter, mais c'est bien l'adresse du mec qui loue des chambres. C'est bon, on y est. Voilà. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich möchte sprechen. Comment ils disent ça? Geschäft? Bon, ça suffit, arrête, sinon tu risques de te fouler la langue. Vous êtes les Espagnols, je suppose. Oui. On nous a dit qu'ici, on pourrait trouver de quoi se dépanner. Pour ça, vous êtes pile à la bonne adresse. Vous marchez à quoi? Exta, Marie-Jeanne, Speed, Cristal? Si vous m'achetez 2 grammes, le troisième, c'est gratis. Non. On veut seulement louer une chambre. On pourrait parler à Akan ou Marisol, ils sont pas dans le coin? On dirait qu'ils sont pas très loin, mais ils ont encore un petit effort à faire. Ils s'éclatent comme des dingues. Et toi, le binocle, pour 2 billets de 10, tu peux voir le show, ok? Non, c'est pas grave, si c'est pas le moment, on peut revenir plus tard. Il a raison. Non, ça sert à rien, ils y seront encore. Ils arrêtent pas toute la journée. Ils ont un problème d'enfant. Enfin, il est pas encore né. Ils en veulent un tout neuf avec des fossettes partout, des joues bien rondes et des cuisses potelées. Ouais. Ben oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous m'aviez demandé, au fait? Excusez-moi, Akan? Moi, je suis Brolio. Et lui, c'est Hugo. On vous a écrit au sujet des chambres à louer. Ah, je me souviens. Ça m'était juste sorti de l'esprit tout d'un coup. Une petite minute, j'ai tellement perdu d'eau que j'ai plus de salive. Ah, c'est un immense plaisir. Alors, pour la location, le prix est de 200 euros chacun. Le 5 du mois. Vous avez un chien? Non. Akan, c'est pas le moment. Je suis au 2e jour d'ovulation, en pleine phase de nidification, avec une température parfaite. Il y a une seule chose qui manque. Tes spermatozoïdes. Bonjour, messieurs. Et eux, alors? Ben, Rafana qu'à leur montrer leur chambre, puisqu'ils vont se partager la location. Akan, viens ici. Vous êtes mes colocs? C'est génial. Vous avez du shampoing? Oui. C'est magnifique, vous êtes les meilleurs colocs que j'ai jamais eu toute ma vie. Ici, c'est pareil qu'au pays. L'immeuble est bourré d'Espagnols. Vous auriez dû voir l'ambiance qu'il y avait le soir de la finale du mondial. Il m'a fallu 2 semaines pour savoir qu'on avait gagné. Tiens, en parlant d'espagnol, lui, c'est Andrés. Il était déjà ici avant la construction de la porte de Brandebourg. Andrés, regarde ce que je t'amène. Non, laisse-moi tranquille, je ne veux pas de ta dope. Mais non, c'est pas ça, c'est 2 copains espagnols qui viennent d'arriver. Voilà Brolio et l'autre, c'est Hugo. Enchanté. Entre les Allemands qui vont vivre à Majorque et les Espagnols qui émigrent ici, ce serait peut-être plus simple que les 2 pays échangent leur nom. On n'est pas des émigrés. Si on veut employer le terme approprié, je dirais plutôt qu'on est des travailleurs qualifiés itinérants. Ah oui? Ouais. Ben, pour employer le terme approprié, je dirais que vous avez tout l'air d'une belle paire de petits cons. Pas la peine de nous insulter. Parce que si on est là, c'est par pure nécessité. Par nécessité? Parce que vous croyez savoir ce que c'est que la nécessité?
J'ai voyagé entassé dans un train, j'ai vécu entassé dans une baraque pourrie. J'ai travaillé 12 heures d'affilée par jour entassé dans un bâtiment d'usine. Alors quand vous serez passé par des moments aussi durs que ça, vous saurez ce que c'est émigrer par nécessité. Petit prétentieux de mes couilles. Qu'est-ce qu'il est drôle, il fera mourir. Et qu'est-ce qu'il croit? Bah, je lui prouverai qu'il a tort. J'ai besoin de l'Allemagne tout autant que l'Allemagne a besoin de moi. 2 mois, voilà ce que je te donne, petit prétentieux. Tu ne tiendras pas plus de 2 mois ici. Il est tellement drôle. Ah, quel numéro. Allez, viens, je te suis. Et voilà. Bienvenue dans votre nouvelle maison. Oh, super. Alors, votre chambre est là tout au fond. Uh-huh. Et en face, c'est celle de ma sœur. Par contre, devant elle, ne faites pas de remarques ni rien au sujet de mon petit business. À cause des pilules, c'est ça? On dit rien là-dessus, c'est la règle que je t'avais avertie. Je veux pas qu'elle se fasse du souci. Elle m'a fait venir ici parce qu'en Espagne, je commençais à être un peu trop attiré par la drogue. Enfin, j'étais plus qu'attiré. Disons que je m'en mettais plein les veines. Papa, c'est toi? Oui. Tu pourrais essayer de réparer mon vélo. Ce matin, le levier de vitesse a été cassé par un imbécile. C'est lui, l'imbécile. Oh non, la mal baisée. Ah, vous avez déjà fait connaissance? Putain, il y a trop de tension. Mais c'est pas sa faute. Ma sœur a les boules parce qu'un mangeur de saucisses lui a fait un sale coup. Il lui avait promis de quitter sa femme, et en fait, c'est Carla qui l'a plaqué. Papa, et il s'est réveillé. Je crois pas que ça les intéresse de savoir ce qui s'est passé avec Franz. Ah, non. Bien sûr que non. Non. Je me souviens d'une autre embrouille qui s'est passée avant. Vous allez vous tordre de rire tellement c'est con. Un jour, Carla va au mariage d'une copine, et il se trouve que cette maintenant, fille... Vous allez être en retard à vos entretiens d'embauche. Oui. Vous allez avoir besoin de patience et de chance. Oui, il vous en faudra une sacrée quantité. Et je parle d'expérience. C'est ceux qui nous embaucheront qui auront de la chance. Pas vrai? On leur apporte chacun 2 licences et 1 master. C'est ça. Quel crâneur, ce mec. Quelle crâneuse. Ils arrêtent pas ces deux-là. Hugo est nerveux, je crois. Et puis ta sœur me paraît très sympa. Ouais. Ouais, c'est une fille vraiment très chouette. Dis donc, en plus, elle est super bien foutue, t'as vu? Hein? C'est que... Enfin, ça me gêne de parler d'elle. La beauté d'une mère ou d'une sœur, ça ne se discute pas. Arrête tes conneries. Avec tes loupes, t'as déjà dû essayer de te rincer l'œil. Tu l'as pas zioté. C'est un putain de canon, t'as pas pu rater ça. Oh non. Son anatomie passe pas inaperçue. Si jamais tu la dragues, je te coupe les couilles et je m'en fais des boules anti-stress. Est-ce que c'est clair? Ouais, très clair. C'est des mecs comme toi qui lui ont pourri la vie, tu vois. C'est bon. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, rien. Et j'ai éternué un peu trop fort. Salut papa, comment ça va? J'ai enfin trouvé un petit moment pour répondre à ton mail. De notre côté, Brolio et moi, on a commencé les entretiens d'embauche. Ici, les chefs d'entreprise s'arrachent notre CV. Et le fait d'être espagnol nous ouvre bien les portes. Que chef suis-je? Ya. Ya. Spagne. Ya. In meinem Unternehmen. Yeah. Il a suffi d'un mois pour qu'on s'adapte au caractère allemand. C'est allé très vite, incroyable, non? Sorry. We are Latinos, very démonstratif. Les différences entre le nord et le sud, c'est surtout dans la tête, finalement.
Les Espagnols ne sont pas aussi cool qu'on le prétend. Guten Morgen. Et les gens du Nord ne sont pas si rigides que ça. Llega usted tarde. C'est que je me suis perdu dans le métro. Mais comme on dit en Espagne, il faut compter le quart d'heure de politesse. Vous n'êtes pas en Allemagne depuis très longtemps, il me semble. Quant à la langue, il suffit de s'y mettre. Après seulement quelques jours, on se débrouille pour comprendre. Ja, ja. Sprechen Sie Deutsch? Ja, ja. Wo haben Sie es denn gelernt? Ja, ja. Also ich gehe mal davon aus, dass Sie auf alle meine Fragen wie ein Dummkopf mit Ja antworten werden. Stimmt's? Ja, ja. Venir à Berlin était vraiment la meilleure décision à prendre. Ici, on n'est plus les derniers en bas de la liste, et ce n'est pas trop tôt. Un mois. Ça fait un mois qu'on cherche, et tout ce qu'on trouve, c'est d'autres Espagnols qui cherchent du boulot. Plus des Grecs, des Portugais et des Italiens. Bref, tous ceux de la fameuse génération perdue ont atterri au même endroit. Quelle merde. Vous, au Chumdu, à Cannes, qui cherchent désespérément des marmitons, et personne trouve de solution. Putain de crise, on vit vraiment dans un monde de dingue. Brolio. À Cannes, il vous faut des apprentis. Pas de problème, nous on est libres en ce moment. Pas si vite, bon sang, mais tu déconnes là. Un chercheur et un économiste n'ont rien à faire en cuisine. Ben si, on va bosser, Hugo. Même si c'est oui. Pas notre spécialité. C'est ça. Il faut bien commencer quelque part. Moi, avant d'entrer au cabinet d'architecture, j'ai frotté les escaliers, j'ai fait du passage. Ça me paraît très respectable si ça correspond à ce que tu cherches. Mais moi, je suis pas venu ici pour faire ce que les Allemands veulent pas faire. Et l'équatorienne qui faisait le ménage chez toi, elle le faisait parce qu'elle en avait rêvé toute sa vie, depuis son plus jeune âge, c'est bien connu. Mais qu'est-ce que tu crois que ça veut dire émigrer, votre Altesse? Et puis je te le dis par expérience, si tu parles pas l'allemand, t'arriveras à rien. Écoute, t'as une grande expérience pour faire chier les autres. Mais si je dois être serveur, alors je préfère le faire dans un bar en Espagne. Bah au moins on serait plus obligé de t'entendre chouiner tous les jours. T'en fais pas, tu vas plus m'entendre me plaindre. Julio, viens, rentre en Espagne. En Espagne? Oui. Mais on n'a pas de quoi se payer le métro, alors l'avion? On rentre, même si je dois demander du fric à mes parents. J'ai pas l'intention de nettoyer la merde dans un oui-oui où j'oserais pas mettre les pieds comme client. Je vous l'avais dit, il n'a pas tenu un mois. Par ici, allez, venez tous me payer ce que vous me devez, à la caisse. Vous êtes une belle bande de salauds. Vous savez quoi? Restez dans ce pays si merveilleux. Bien. Oh, et toi, ça va? T'avais misé combien? Il est tellement merveilleux que les Allemands n'attendent qu'une chose, c'est d'aller passer leurs vacances à Majorque. 20 pour Andrés. Putain, dis donc, j'avais misé 50. Oui, moi aussi. Et moi, 30. Hugo, comment vas-tu, fiston? Depuis que tu fréquentes les riches de l'Europe, tu t'intéresses plus à tes parents. Fauché, hein? Ben, ils sont pas si riches que ça dans le Nord. Ici, c'est la foire au petit boulot, c'est pas très encourageant. Oh non, ça va mieux qu'ici, c'est sûr. Entre ce qu'il faut payer et ce qu'on nous vole, on n'arrive plus à faire. Oui, je sais, papa, la situation n'est pas géniale. C'est pour ça que j'appelais. Est-ce que c'est faisable, un virement? Ça tomberait bien, fiston. Je suis très content que tu abordes le sujet parce que j'osais pas t'appeler pour te demander de l'argent. J'ai passé plus de 40 ans de ma vie dans cette boîte et aujourd'hui... Et ils déménagent en Pologne. Ils nous ont dit que c'était pour enrayer la crise. Et nous, les 200 personnes à la rue, comment? On va l'enrayer, hein? Ils t'ont renvoyé? Exactement. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Et maman, comment elle le prend? Trésor, c'est moi, je suis rentrée. Regarde, regarde la robe que j'ai achetée, elle est magnifique. C'est de Paco Rabanne. Encore? Mais t'as plus de robe que Barbie. Oui, mais je vais en donner la moitié aux bonnes œuvres. Que des grandes marques. Les copines ne pourront pas dire que je donne des trucs minables aux pauvres. Ah, ah! Hugo, Hugo, j'en peux plus. Pourquoi faire la charité aux pauvres puisque finalement c'est à nous que ça reviendra? Et puis, je t'ai pas encore parlé de l'expulsion. Quelle expulsion? La nôtre, fiston. Mais la maison a déjà été payée, papa. Oui, ça c'est fini. Mais ton master... Non, et on peut pas dire que c'était bon marché, alors on a dû hypothéquer la maison. Attends... Je te fais aucun reproche. Ben non, puisqu'aujourd'hui, on voit le résultat de nos efforts.
Oui, où ça? T'as réussi. D'après ce que tu disais dans tes mails, les entreprises se battent toutes pour t'engager. Vous vous rendez compte? Mais quel honte! Il ose me dire en face que mon resto, c'est un boui-boui. C'est un enfoiré, c'est tout. Oui, ça va aller, papa. Ça va s'arranger puisque je viens de signer mon premier contrat. Ouais, ça y est. Dans mon resto! Alors, pour l'argent, t'en fais pas. Dès que je suis payé, eh ben, je vous envoie un mandat. Non, il a aucune excuse. Salut, papa. Et s'il remet les pieds chez moi, je lui casse la gueule. Nettoie le plan de travail après chaque service. Deux fois par jour. Deux fois. Salut, Akan. Merci de me proposer du boulot, mais on n'a pas discuté ni des horaires, ni du salaire, hein? ni de rien du tout. Vous croyez que je vais travailler gratis? Et j'arrive pas à le croire. Et c'est lui qui disait il y a à peine 10 minutes qu'il refusait de venir nettoyer la merde dans ce boui-boui. C'était une blague. Moi, je suis un économiste et... Les économistes, au fond, ils enlèvent la merde. C'est ce qu'on appelle la comptabilité créative. Alors vous voyez, c'est pareil. Tu viens rire au nez de Akan? Me raconte pas de conneries. C'est la simple vérité. Bah oui, écoutez. D'accord, c'est pathétique. Mais mes parents risquent l'expulsion. Et si pour les aider, je dois ravaler mon orgueil et enlever la merde, eh ben je le ferai. Ici ou ailleurs, ça m'est égal. Tu commences demain. Oh. Ça, c'est la meilleure. La génération la mieux formée d'Espagne travaille dans un resto turc et apprend à faire frire les falafels. Et ben... Bah ouais, c'est pas la gloire. J'ai commencé mon nouveau travail. C'est un poste à haute responsabilité qui demande de grandes qualifications. C'est moi qui prends en main les dossiers les plus délicats que nous avons à traiter. En plus, je travaille dans les conditions idéales. J'ai des horaires très flexibles et un chef qui tire le meilleur de nous. Avec les indemnités journalières qu'on me verse, je peux manger tous les jours au resto. Je mange pas de la merde, tu peux me croire. En plus, j'ai un véhicule de fonction. Et c'est du haut de gamme, s'il te plaît. Avec toutes les options. Tout confort et sécurité totale. Enfin, je pourrais pas trouver mieux. Ici, il y a de quoi faire les courses. Et le niveau de vie est beaucoup moins élevé que ce qu'on croit. Alors ne t'inquiète pas au sujet de l'argent que tu m'as demandé. Je gagne largement plus que ce qu'il me faut pour vivre. J'ai du mal à fermer mon portefeuille tellement il est plein de billets. Et s'il te faut plus d'argent, n'hésite pas à me le demander. Quand je pense que rien de tout ça ne serait arrivé si on n'avait pas vu cette émission à la télé. Et toi, attends. Eh, hey, je l'ai trouvé dans la poubelle. C'est plus à personne dans ce cas. On s'en fout. On t'a pas vu dans l'émission Les Espagnols du bout du monde? Oh, oui. Ouais, c'est lui. Alors c'est ça le choc culturel. Ici, on appelle ça un technicien en gestion des déchets, alors qu'en Espagne, pendant toute ma vie, j'ai appelé ça un éboueur. Bah, vous savez ce qu'on dit, à la télé, tout est grossi. Dans mon cas, c'était le CV. En fait, je voulais donner une bonne image de moi. Une petite minute. Donc on se retrouve à travailler 12 heures par jour, payer une misère, tout ça parce que t'as voulu passer à la télé. Oui, c'est un peu ça. Je vais arranger ton image, moi, espèce d'enfoiré. Allez, calmez-vous, bon sang. Qu'après des années d'études avec un master, je suis ici à bouffer de la merde. J'ai revu ma mère, au moins, connard. Tu mentirais pas pour aller voir ta mère? Los, Schnell. Volen, Wissen, information. Ja. Forsunstempundium. Comment ça, vos roches techniques? Hein? J'appelle pour avoir des informations sur les bourses de recherche. Forschung.
fort, fort, chung, bon sens, alors coûterait quoi de mettre quelques voyelles, au moins une ou deux, par-ci, par-là. Hein? Vous êtes là? Tu le dis mal, tête d'âne. C'est Forschungsstipendium. Forschungsstipendium. Non, on va le couper en petits morceaux. Alors, premièrement, fais sortir l'air entre les dents. Hein? Forge. Non, place la langue comme ça. Chou. Non. Comme un bouchon qui va sauter. Stipendium. Forschungsstipendium. À toi. Forschungsstipendium. Non ! Comment on peut être aussi stupide ? C'est plus difficile de le dire comme toi ! Cette maudite langue a entubé la moitié de l'Europe, mais pour communiquer, ça... Ça va venir. L'allemand, ça demande du temps et de la patience. Mais justement, je n'ai ni l'un ni l'autre. L'attribution des bourses se fait en septembre, et il faut que je parle allemand pour pouvoir me présenter. T'en fais pas pour ça. Hakan, c'est un bon chef, et c'est aussi un bon professeur de langue. C'est vrai ? Vous enseignez ? Bien sûr. J'ai enseigné à Otto de quoi se débrouiller en français. Hé, je parle un peu français, merde. Putain. Y a toujours une brebis galeuse. Mais t'en fais pas pour ça. Avant de pouvoir dire ouf, tu auras ton certificat d'allemand. Compte sur moi. Salut Nadia. Bon alors, tu aimes mon nouveau bureau de directeur? Comme tu vois, plus allemand que ça, y a pas. Excuse-moi, c'est ma secrétaire. Guten Morgen. Ça fait 4 fois que tu tombes. Fais gaffe, bon sang. Excuse-moi, mais c'est toi qui m'as fait monter sur ces talons. Bah oui, pour qu'on voit pas ton visage. Il faudrait pas que Nadia voit de près ton maquillage de drag queen. Bah ça m'a aidé à me pénétrer du personnage. Moi je bosse comme un pro, monsieur. Admets que ça donne de la profondeur à mon regard. Ici. C'est Nadia, prépare-toi. Et nom d'un chien, ne fais pas tout rater. Mais non. Mon amour, comment ça va? Très bien. Bon alors, tu aimes mon nouveau bureau de directeur? Comme tu vois, plus allemand que ça, y a pas. Il est super bien décoré. Mon chou, bouge un peu la caméra, d'accord? Comme ça je verrai comme il est grand et ce qu'il y a autour de toi. Eh ben c'est pas si grand que ça. Et y a pas grand chose à voir. Pour l'instant, j'ai un tas de cartons à vider. Ah, c'est ma secrétaire. Elle est là. Danke schön, Fräulein. Oh, comme il se débrouille bien. Dis, Hugo, elle est belle? Qui, ma secrétaire? Parce que ça pourrait me rendre jalouse. On peut savoir ce que vous faites? Je te laisse, le président m'appelle. Bisous, bye. J'y comprends rien. Mais t'as pris ma robe, tu vas la déformer, espèce d'idiot. C'est quoi ces tarés qui vivent chez moi? Pourquoi tu dis qu'on est tarés? Parce qu'on s'est déguisé en directeur financier et sa séduisante secrétaire pour qu'Hugo fasse semblant d'être... Ça suffit, arrête, on n'a aucune explication à lui donner. Tu plaisantes? Je crois que si. Ça, c'est mes fringues et je vis ici avec d'accord, vous. Mais c'est ma vie. Je n'ai aucune intention de supporter une fois de plus tes leçons de fille parfaite. Calme-toi, Hugo. Hugo! Mais qu'est-ce qu'il est mal élevé? Ses parents lui ont payé 2 masters, mais côté éducation, c'est pas le top, par contre. Écoute, il traverse une période un peu dure. Ses parents croient qu'il est un dirigeant de haut niveau. Et pourquoi il leur ment? Ça passerait mal au club de golf si on savait que leur fils travaille comme commis de cuisine, c'est ça? Au club de golf? Mais son père est au chômage depuis des mois. Ben, avec ses airs de gosse de riche, j'imaginais pas que son père pourrait un jour se retrouver sans emploi. Ils vivent de ce que leur envoie Hugo. Voyez-vous ça? Qui est-ce? Une invitée teutonne? Je l'ai pas encore sur mes fiches. Oh, nom d'un chien, quelle est laide! Cela dit, faut pas toujours faire la fine bouche. Vous avez envie de spray-chan? Non, mais arrête la fumette! C'est Brolio. Tu charries? Brolio? Dis donc, tu sais que dans ces fringues, t'as un très joli petit cul. Ja, es scheint, dass alles in Ordnung ist. Ich sehe eigentlich kein Problem, dass Sie schwanger werden könnten. Schwanger? Il a dit schwanger! Ça veut dire que t'es enceinte, ma chérie! Wenn es jung ist, das Baby wird wie 16 Uhr, Doktor! Ich schworte! Nein, ich habe nur gesagt, dass sie kein Problem hat, um schwanger zu werden. Nun müssen wir untersuchen, ob das Problem vielleicht bei Ihnen liegt.
Mon père a eu 8 enfants. Et le père de mon père en a eu 10. Et le père de mon père, 22. Et leur docteur dit que je peux pas avoir d'enfant. Qu'il me laisse sa femme et il verra ce que j'ai dans les couilles. Akan, pour l'amour du ciel, essaye de te calmer. C'est pas possible, ça. Chaque fois qu'on aborde le sujet, ça offense ta virilité. Celle de ta famille et celle de tout l'immense empire ottoman. Parfaitement. Dans ma famille, il y a un proverbe qui dit « Si à Istanbul, tu entends un garçon qui t'appelle papa, retourne-toi, parce que c'est sûrement le tien !» Mais quel est le... Oh. Akan ! Akan ! Akan ! Tu veux une preuve de fertilité ? Eh bien, va regarder un album de ma famille. Et c'est mon dernier mot, compris ? Akan ! Ne me force pas à choisir entre être ta femme et être mère. Parce que tu risques d'y perdre des plumes. J'ai eu ma dose, c'est bon. C'est pas toi qui étais si pressé d'apprendre l'allemand. Alors viens. Mais je suis en train de ranger... Viens en classe. Aujourd'hui, nous allons affronter l'examinateur le plus sévère de tous. Le peuple allemand. Leçon numéro 1. Achetez un ticket de métro et répète après moi. Guten Tag, ich möchte eine Fahrkarte, bitte. Guten Tag, ich möchte eine Fahrkarte, bitte. Bien! Drei Fahrkarten, das macht 5,20 Euro. Wie bitte? Nein, nein, ich habe nur eine Karte bestellt. Aber der junge Mann hat auch eine Karte bestellt. Und eins plus eins macht doch zwei, oder? Ich will es expliquer. Quoi, c'est ça? Ich bringe in Deutsch bei... Ich sage, wiederholt es. Eine Fahrkarte, bitte. Eine Fahrkarte, voilà. Bitte. Also noch zwei Fahrkarten. Gut. Das wären dann 10,40 Euro für vier Karten. Für jetzt? Vier, wieso vier, bordel? Wir sind nur zwei Personen und ich habe nur eine Karte bestellt. Zweimal! Vier. Nein! Excusez-moi, monsieur, vous pourriez vous dépêcher. Une petite minute, s'il vous plaît, j'ai bientôt fini. Attendez! Nein! Zwei! Zwei! Non, pire, non! Nein, nein! Zwei! 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 Nein! Qu'est-ce que tu fais ici? Je fais l'idiot. Hein? Qu'est-ce qui m'a pris de choisir Akan comme professeur? J'avance pas, je stagne. Et si en septembre je décroche pas le titre, je vais passer encore une année à nettoyer les fourneaux. À Cannes, professeur d'allemand? Ben, j'espère qu'il prend pas trop cher. Finalement, c'est plus cher que prévu. Je vais prendre un vrai professeur. Et à Cannes aura du temps pour Marisol et pour lui faire un enfant. J'ai dû lui acheter 8 tickets, plus de 20 euros. Tes cours coûtent les yeux de ma tête. Écoute, Akan, je veux pas te déranger et encore moins te coûter des sous. Alors, si les cours te posent problème, on peut laisser tomber. Ça ira, et moi j'aime bien. Ça m'éloigne un peu de Marisol et je suis pas obligé de discuter avec elle. Écoute le proverbe turc. Ce que le cœur ne voit pas, l'œil ne le ressent pas. Mm-hmm. Voilà. Ben quoi, je corrigerai les fautes que j'ai apprises avec lui et ben ça ira. Y a pas de souci. Ça fait chanter. Pas vrai, Andrés? Ce matin, il devait aller chez le médecin et voilà comment il revient. Regarde, qui nous honore de son auguste présence. Je vous salue bien, bas votre Altesse. Attention. Attends. Goûtons. C'est bon, j'ai ses clés. Oui, oui, oui. Goûtons voir. Non, non, non. Goûtons voir. Si le vin est bon, goûtons voir. Oui, oui, oui. Goûtons voir. Non, non. Chevalier de la table ronde. Attends. Quel décor. Un voyage dans le temps doit faire le même effet. Ça y est, on est arrivé. Asseyez-vous. Goûte en voix, s'il le veut. Hop là. Ouais. Attends, je vais t'aider. Tiens, tiens. Je savais pas qu'il avait une fille. Oui, elle vit en Espagne. Hein? Puisqu'il est à la retraite, pourquoi il se rapproche pas d'elle? Ce serait mieux pour lui. Qu'est-ce que tu racontes? J'atterrirai dans une maison de retraite de merde parce que c'est là que ma conne de fille veut m'envoyer. Non, ce serait pas mieux du tout.
Ah, non. Ah, désolé, je savais pas. Elle disait que je n'arrivais pas à m'adapter. Mais comment tu voulais que j'arrive à m'adapter, hein? J'avais quitté une Espagne qui souffrait de faim et de misère pour en retrouver une autre où pas même Dieu se souvenait qu'avant qu'on devienne riche à millions, les Espagnols aussi avaient été des émigrés. En fait, on n'a rien appris. Rien de rien de rien. Celui qui oublie son histoire est condamné à la voir se répéter indéfiniment. Sinon, putain, pourquoi vous êtes là, vous aussi, aujourd'hui? Hein? La mémoire, c'est vraiment important, crois-moi. Vous m'entendez? Vraiment, très important. La mémoire. Bon, vaut mieux le laisser, je suppose. Je crois que ça va aller. Oui, tu verras demain, il se souviendra même plus de ce qui s'est passé. Aïe. Oh, pardon. Tu t'es blessé à la main? Hein? Rien de méchant. Une simple allergie à une crème. Oui, celle qu'Akan donne à ses employés pour qu'ils aient les mains douces. Ça doit être ça. C'est pour plaisanter. J'aurais pas cru que le Hugo qui a débarqué à Berlin allait attraper des ampoules en faisant autre chose qu'une partie de tennis. J'aimerais bien rigoler de mes ampoules. Sauf que j'ai trop envie de pleurer. Regarde-moi. Tu crois que c'est le même Hugo qui a débarqué à Berlin? Je voyais pas les choses comme ça. Et si Andrés avait raison? Si en rentrant, on est déçu par ce qu'on trouve? Ou pire, si on n'a pas les moyens de rentrer? Et si la fin du monde est pour demain? Allez, fais voir ta main que je la soigne. En tout cas, on peut pas simplement décider de tout lâcher. Par exemple, moi, je tiens bon. Ça fait des années que je m'entraîne tous les jours pour le marathon et j'ai toujours pas réussi à en finir un seul pour l'instant. Ça m'étonne pas, t'as vu tes baskets? Sois pas si radine et achète-toi une paire neuve. Tu verras que... Aïe! Voilà, c'est ce que dirait l'ancien Hugo. Le nouveau Hugo a appris que ça vaut, disons, 20 heures de ménage, une semaine d'heures supplémentaires et un bon mois de régime spaghetti à la tomate. C'est ça. Je suis contente que l'ancien Hugo ne soit plus qu'un souvenir du passé. Et que tu sois moins prétentieux que ce que je pensais. Tu me trouvais si crâneur que ça? Alors bonjour, je m'appelle Hugo, j'ai 2 licences et en plus j'ai un master. Et les Allemands vont tomber le cul par terre en voyant mon CV impressionnant. Écoutons maintenant la fille parfaite. Il n'y a que moi qui sais ce que ça veut dire émigrer. Mais avec ma fameuse méthode de l'émigration pour les nuls, vous saurez faire face à tout ce qui peut arriver. Tu sais que je préfère de loin le nouveau Hugo au mec insupportable qui est arrivé à Berlin. Et moi, j'apprécie beaucoup plus la Carla qui finit pas la course que la fille parfaite. Pardon, désolé, j'ai envie de chier, j'en peux plus. Ce putain de chou fermenté, c'est terrible. C'est vrai qu'on regrette la bouffe méditerranéenne quand il arrive, ce genre de truc. Oh, 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 ça pue. Information vor Deutsche Schule. C'est ça, Deutsche Schule, ja. 1000 euros? Ich anrufe un peu plus tard. Non, mais t'as entendu ça? 1000 euros pour un trimestre de cours d'allemand? Mais qui fait cours, Günther Grass? Hugo? Hugo, tu m'écoutes ou pas? Hein? Oui, t'as bien fait parce qu'il a plu toute la semaine. Qu'est-ce qu'il fout ici, cet abruti de mangeur de saucisses? Rafa, même s'il comprend pas, c'est pas une raison pour l'insulter.
Allô. Franz, kannst du bitte draußen nur mich warten? Okay, mon Schatz. T'as rompu avec lui, alors qu'est-ce qu'il fout ici? S'il veut un kebab, je lui enfonce dans le cul, c'est meilleur pour la digestion. Rafa, ne commence pas, c'est mon chef et on doit se voir pour le boulot, c'est tout. Tu parles, c'est sur toi qui veux travailler. T'as oublié ce qui s'est passé au mariage et que t'as passé une année chez le psy pour te soigner. Mais donc c'était si horrible que ça, ce mariage? Bah tu vas voir, ce soir-là, devant 200 invités, elle a appris qu'elle avait plus de cornes qu'un sac d'escargot. Et ça, c'est pas le pire. Figure-toi que son chéri, pendant la fameuse soirée... Bon, ça suffit, arrête. Ça, c'est ma vie, mes problèmes, et ça regarde personne d'autre que moi. Mais attends... Alors c'est lui, le fameux Franz. Mm-hmm. Je sais pas ce que ta sœur lui trouve. Il casse pas trois pattes à un canard. Méfie-toi des Allemands qui cassent pas trois pattes à un canard. Regarde Hitler, ce gros salaud. L'autre école prend 2000 euros pour un trimestre de cours. Et ils viennent donner des leçons d'austérité à toute l'Europe après. Attends, s'il te faut des thunes, j'ai un bon tuyau. Il y a du fric à se faire quand on est débrouillard. Oui. Rafa, je te l'ai déjà répété 100 fois. Hors de question d'aller à Amsterdam avec je ne sais quel produit dans le cul. Mais non, je te parle d'un moyen légal. Du sperme. Je vais payer les cours en me masturbant. Je sais même pas comment faire. D'abord, essaie avec la main gauche. Sinon, tu te peins les ongles. Tu mets des boucles d'oreilles et tu verras, c'est génial. C'est comme si c'était quelqu'un d'autre. Oh, mais il y a des tarés qui font ce genre de truc. En plus, à 50 euros le petit flacon, tu te rends compte de la quantité qu'il faut pour avoir les 2000 euros demandés? Bah, vaut mieux que t'aies une bonne crème hydratante parce que sinon, t'auras la chair à vivre. Non, mais ça va aller. Surtout, reste détendu. Ah, un dernier conseil. Avant de commencer, ouvre le flacon surtout. Moi, la première fois, je me suis fait avoir en beauté. Allez, bon courage à toutes. Brolio? Qu'est-ce que tu fais ici? Hein? Moi? Rien. Rien? Oui, hier, on m'a dit que dans cet hôpital, il y avait besoin d'assistants de labo. Alors, je suis venu offrir le meilleur de moi-même. Et le meilleur de toi-même, tu as dans ce petit flacon? Où ça? Là-dedans, c'est que non. Bah si. J'ai tellement besoin de fric pour payer les cours que même les plans foireux de Rafa paraissent de bonnes idées. Oh, je compatis. Je vois que la crise économique mondiale s'attaque même aux grands cerveaux. Ouais, vas-y, moque-toi de moi. Mais c'est affligeant de penser que, faute de subventions, les savants espagnols sont obligés d'éjaculer pour survivre. Bon, tu sais quoi? C'est bon, j'ai mon compte. J'abandonne, je repars en Espagne. Je préfère renoncer à ma vocation plutôt qu'à ma dignité. Et si je te payais les cours? Quoi? C'est très gentil, mais tu sais combien ton mari nous paye. Je peux pas te rembourser. Si, en nature. Tu vas vendre tes spermatozoïdes à un tarif ridicule. Et on me les revendra à un prix que je peux pas me permettre. Seulement, si on décide de supprimer l'intermédiaire, alors, tu vois? Mais tu as perdu la tête. Et Akan? Y a pas besoin de lui dire quoi que ce soit. Ah. Tu veux faire de la recherche autant que moi, je désire être mère. À moins que t'aies une meilleure idée. Costume élégant pour le réveillon, je suis impressionné. Et ça se porte encore, les tricots de corps. Andrés, est-ce que tout va bien? Je rentre chez moi. Mais vous allez descendre pour le repas? Ici, on n'a pas de famille, alors ben, autant passer les fêtes ensemble entre compagnons d'émigration. Ah, oh, c'est vraiment touchant, compagnons d'émigration. Non, mais pour qui tu nous prends, mon garçon? Pour des hirondelles en voyage? Oh, merde. Attention à vos comprimés. C'est pour soigner Alzheimer?
Alzheimer. Je voudrais bien comme ça. J'aurais plus aucun souvenir de vous tous. Ma grand-mère avait les mêmes comprimés. Vous l'avez dit à votre fille? Ah, parce que tes parents savent tout ce qui se passe dans ta vie, hein. Ils le savent. Donne-moi ça et me fais pas chier avec tes conneries. Je peux même pas être tranquille. Oh là là, tout ce qu'il y a! Un grand chorizo, du jambon. Oh, ils ont fait des efforts, les parents, cette année. Il ne manque rien. Ils sont adorables. Qu'est-ce que ça manque de ne pas être avec la famille pendant cette période? Non, mais écoutez-le, on a passé plus de réveillons au poste de police pour te faire sortir qu'au pied du sapin. Ah, tu crois? Oh, mais on était ensemble, c'est ce qui compte, non? Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est du Glühwein. Du Glühwein? C'est pour donner une petite touche allemande à la fête. C'est du vin chaud, c'est ça? Avec une bonne bouteille de Rioja, quel est l'idiot qui boirait de cette mixture? Franz, il vient dîner. Ah, alors comme ça, il vient? Oui, on a discuté longuement et on a décidé de nous laisser une autre chance. C'est la première fois qu'on fait Noël ensemble. C'est lui. Une minute. Allô? Salut, Franz. Hey, regarde. Le repas est prêt. Attention, attention à vous, les garçons, c'est chaud. Dis donc. Voilà. Oh. On est tous là. Où est Marisol? Braulio, tu sais où est passée ma femme? Moi? Je vois pas pourquoi, je le saurais. C'est ta femme, non? Ouais, c'est clair. Si elle n'est pas ici, c'est qu'elle se fait baiser. Tu crois pas, Bruno? J'en sais rien. Pourquoi il irait se faire baiser? Qu'est-ce que t'insinues, Augustin? Ah, rien du tout. J'ai seulement super faim. Si elle se pointe pas rapidement, je vais lui bouffer son jambon. Ah, me voilà. Bah alors? Oh, excusez-moi, je suis désolée. J'ai vraiment pas vu le temps passer. Enfin. Salut, toi. Mmh. Allez, quand c'est froid, c'est plus aussi bon. Puisqu'on est tous là, à table. Non, en fait, vous pouvez enlever un couvert. Franz reste dîner avec sa femme. Oh. Pas la peine de me servir non plus. Oui, allô? Il y a quelqu'un? Si papa Noël, quand tu descends... Maman, c'est qui? Ça devait arriver, et en plus avec son chef. Le travail, ça se respecte. On se couche pas là où on mange. Tu crois pas, Braulio? J'en sais rien! J'en sais rien, d'accord? Laisse-moi un peu tranquille, hein, Rafa? Qu'est-ce qui vous arrive à tous aujourd'hui? Hé, hey, c'est Noël! On peut bien rigoler, se lâcher, oui, non? Sûr. Tenez, je vous ai apporté une petite surprise. Ah oui? Ah, c'est tiens, fais celui-là. Ah. Allez! Ah. Et toi, celui-là. Bien, monsieur. Voilà, à Cannes, il te reste les cornes. Oh. Comme ça. Regardez. Elles lui vont pas si mal que ça, non? Tu fais quoi? Non. Faites-le avec moi. C'est drôle, hein? Regardez-le, il se débrouille bien avec des cornes. Olé. Je vais te dire, si ça peut te consoler de le savoir, pour moi, ce Fran, c'est un imbécile. En tout cas, il est moins que moi. On me raconte des salades et moi, je tombe dans le panneau. Et pourtant, à chaque fois, c'est des types différents. Après ce qui s'est passé à ce mariage, je me suis juré que plus aucun homme ne se moquerait de moi. Et attends, où tu vas? Personne ne va me raconter ce qui s'est passé à ce foutu mariage? En fait, c'était une bonne copine de lycée m'a invitée à son mariage. Tu sais, le genre d'invitation via Facebook, automatique. Je connais.
C'est pas possible, je peux pas, c'est trop la honte. Continue, t'as l'invitation Facebook, eh? Mon fiancé pouvait pas y aller. Et franchement, je me sentais pas d'y aller toute seule. Mais comme toutes mes copines du lycée y allaient, je me suis dit que ça pourrait être amusant, alors j'ai décidé d'y aller. J'ai donc acheté une robe super mignonne et je suis allée chez le coiffeur pour qu'il m'arrange les cheveux. Et quand je suis arrivée à l'église, toute excitée, tu sais sur qui je suis tombée? Sur mon fiancé. Il avait pu venir finalement? Ouais, tu m'étonnes. Il était en queue de cuir et c'était son mariage. Non, tu rigoles? Non, c'est vrai. Trois ans, il était avec elle. Alors qu'il me disait que c'était trop tôt pour qu'on se marie, l'enfoiré. C'est horrible, quel choc. Et après, t'as fait quoi? T'es quand même pas restée pour le bouquet, j'espère. C'est toi qui as eu le bouquet? C'est le bouquet qui est tombé sur moi. Et le pire dans tout ça, c'est que tout le monde pensait que je pleurais d'émotion. C'était l'horreur. Mais comment t'as fait pour supporter ça? Je l'aimais comme une dingue. Et je suis restée jusqu'à la fin de la cérémonie en espérant qu'au dernier moment, il dirait « Non, je veux pas ». Mais quand t'es l'autre fille, aucun homme dit « Je veux pas » à son mariage pour rester avec toi. Tiens. Qu'est-ce que c'est? Je sais bien que tu passes une mauvaise soirée, mais c'est Noël, non? Et puis, j'ai plus de mouchoir, alors. T'aurais pas dû, j'ai pas été sympa avec toi. Et en plus, je t'ai pas acheté de cadeau. Oh, mais elles sont magnifiques. C'est trop, elles ont dû te coûter un bras. Non, non, pas un bras, non. Mais avec un seul rein, on vit très bien. Non, sérieusement, t'es déjà sortie au moins une fois de la cuisine de ce restaurant. Disons que tout ce que je connais de Berlin se résume aux 4 photos que j'ai vues dans le guide de Broglio. Et encore, il y avait le mur. Bon, il faut y remédier. Laisse-moi te présenter ton guide touristique, Fräulein Carla. Prépare-toi, parce que pendant toute cette nuit, tu as Berlin et moi juste pour toi. Ok. Tuvo que ser aquí, con lo mal que aterricé al porvenir suspenso y este frío. Moi je trouve qu'il va super bien. C'est magnifique. Tiens, celui-là, tu pouvais pas en choisir. Alors j'ai l'air de quoi? C'est le bâtiment du Parlement allemand. Il est magnifique. Ouais, je trouve aussi. Tu vois le dôme? Ouais. Il a été dessiné par Norman Foster. Le cône en verre est conçu pour diriger la lumière au centre du bâtiment. Le dôme n'est donc pas qu'un élément architectural. Foster voulait aussi qu'il soit un... Je suis barbante. Mais non, on prend une photo. Tu m'as fait super peur, t'es pas bien. Et c'est en 91, après la réunification, que la quadrille a été restaurée. Alors, ça rend bien? Magnifique. C'est fait. En fait, je suis... Non, 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 c'est la coutume. Tout le monde fait ça ici. On s'embrasse comme sur la photo pour plaisanter. Bon, d'accord. Vous êtes prêts? Yes. Ok. Ok. Allez. Tu vois, il se passe rien. Non. Hey, you are fantastic. Thank you. J'avais la tête ailleurs. Los que brindaron por la casualidad.
Excuse-moi. Merde, c'est Franz. Réponds-lui. Faut que je mette les choses au clair. Je veux pas mentir à quelqu'un comme on a pu me faire. C'est normal, moi non plus je voudrais pas tromper Nadia. Enfin, je veux dire, personne. Nadia, ma chérie, ce que j'ai à te dire n'est pas simple. On savait que les relations à distance étaient compliquées à gérer. On fait des nouvelles rencontres, des liens secrets. Qu'est-ce que c'est dur. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux pas me montrer ce que t'es en train de faire? Allez, c'est non, quoi non. En fait, je regardais un porno. Un porno? Je préférerais les regarder quand on est en couple. En couple? Elle a dit en couple, c'est ça? Non. Je crois qu'elle a plutôt dit qu'elle est souple. Ouais, c'est ça. Bouge pas, je lui demande. Attends. Quoi? Tu me prends pour un idiot ou quoi? Comment t'as pu te mettre avec elle alors que... Quoi? Regarde-le avec son air de ne pas y toucher, hein? Alors dis-moi, elle s'appelle comment? Allez, c'est qui? Il s'est rien passé. Pas vrai? Non? Hein? Non! On apprend à se connaître. À vous connaître? Avec le froid qui fait la seule chose à faire, mec, c'est de la chauffer, cette gonzesse! Tu prends cette salope par les oreilles pour lui tenir bien la tête, comme ça, et tu commences à la claquer. Et pam! Et pam! Tu fais ça jusqu'à ce qu'elle chante et puis va expirer! Franchement, t'es inconscient, Hugo! Comment tu peux sortir avec Carla? Oui. Ouais. Et t'as une fiancée! Et en plus, elle a un frère psychopathe! On n'est pas en Erasmus, je te rappelle. Tu dois contrôler ta libido. C'est que... Grâce à toi, je suis enceinte. Brolio, tu m'as mise enceinte. Bon, j'y vais, je me suis échappée un moment pour t'annoncer la nouvelle. Non, tiens, prends. Ça, tu l'as pas volé. Mon bel étalon. Moi. Marisol est enceinte. Elle a dit qu'elle était enceinte, Brolio? Non. Comme une sainte. Elle a dit qu'elle se sentait comme une sainte. Bouge pas, je vais lui demander. Non, tu restes ici et tu te tais. Alors, la femme de ton chef est enceinte de toi. Bien, c'est super. Chaque c'est bon, je sais. Mais c'était ça ou retourner en Espagne avec la queue entre les jambes? C'est pas une bonne image. On fait une belle paire d'idiots. On est venu à Berlin chercher une nouvelle vie et on a juste réussi à foutre en l'air celle qu'on avait. Et on a compliqué la leur en passant, c'est tout. Non, attends, je suis pas d'accord là. Akan voulait être père, non? Il va avoir un enfant et il sera content. Tu crois qu'il se doutera qu'il est de moi? Stérile. Es tut mir leid, aber sie haben genau das Richtige getan, sich untersuchen zu lassen. Wir wissen zumindest jetzt, wo das Problem liegt. Tu sais ce qu'on dit, pas vu, pas pris. Mais c'est pire pour toi, parce que Nadia croit que vous allez vous marier. Ouais. Alors soit tu lui dis, soit tu lui achètes un sacré voile pour cacher ses cordes le jour du mariage. Oui, mais c'est loin d'être si facile. Je dois lui annoncer en face. Et je sais même pas quand je pourrai la voir. À la fin de la semaine, on part à Berlin. C'est moi qui vous invite. Oh, c'est pas vrai. Ce sont les billets d'avion. Il faut qu'on prenne une photo. On part ce week-end. On va la lui envoyer. C'est l'envie. Allez, on fait un large sourire en disant Berlin. C'est parti. Berlin. Hugo va être si content quand il verra cette photo. Quoi? Oh, bravo! T'es directeur financier d'une multinationale avec indemnité journalière et voiture de fonction. Oh. Mais alors, je comprends pas pourquoi tu travailles ici. Parce que j'ai tout inventé, j'ai menti, je voulais que mes parents pensent que c'était le cas. Ne t'inquiète pas, ils comprendront. Qu'est-ce qu'ils comprendront? Que l'argent qu'ils ont dépensé n'a servi à rien? Que je ne mange presque pas pour les aider? Ou que j'ai dû m'inventer une vie que je n'ai pas pour qu'ils soient fiers de moi? Non, attends. Hugo, allez quoi,
Le pauvre. Je le connais depuis que j'ai 12 ans et c'est la première fois que j'aimerais pas être à sa place. Les années passent. Et c'est toujours la même histoire qui se répète. Émigrer et mentir à la famille, c'est quasiment deux choses qui vont de pair. Je peux vous dire que c'était l'enfer quand on est arrivé en 62. Et vous croyez qu'on l'a dit à nos familles? Bien sûr que non. On travaillait comme des esclaves sans compter nos heures, pour au moins revenir au village en Mercedes louée et le coffre rempli de cadeaux. Mais je peux vous dire que de voir notre famille heureuse, même si c'était que pour quelques jours, compensait largement l'année de merde qu'on venait de passer à trimer ici. Eh oui. Ouais, c'est sûr, louer une voiture, c'est pas ce qu'il y a de plus dur. Mais trouver des bureaux, c'est une autre affaire. Rafa, je dois retourner au travail. J'ai oublié de prendre les croquis du projet que je dois finir ce week-end. D'accord? Salut. Salut. Charles, ça va? Oh, mon amour! Bah dis donc, t'es pas très enthousiaste. Qu'est-ce qu'il y a? Ce sont mes lèvres. Je sais, j'ai fait un peu de collagène, mon bébé. Oh, mon fils, tu es beau comme un cœur. C'est ce que je dis toujours. Gagner du pognon, c'est le meilleur traitement de beauté. Hugo, mon fiston! Oh, c'est comme un rêve pour nous d'être ici. Pour moi, tout ce que tu nous as raconté dans tes courriers, j'ai plus envie de voir ton bureau que de voir le fameux mur. C'est vrai. Bon, justement, c'est ce dont je voulais vous parler. Parce que... Merci, Fuentes. Votre voiture vous attend, monsieur. Je suis Rafa, le chauffeur, pour vous servir. Rafa? Mais ce chauffeur est espagnol. Oui, c'est le seul emploi que j'ai pu trouver. Mais je dois dire que je suis loin d'avoir l'éducation que vous avez donnée à votre fils. Oh, tu te rends compte, Prospero, ils lui ont donné un chauffeur. Et dire que toute ta vie, tu allais travailler en bus. Bon, oh, monsieur Cifuentes, dès que vous serez prêt, je vous conduirai à votre travail. Toute votre équipe vous y attend. Toute son équipe? Mon équipe? Je ne sais même pas comment allumer un ordinateur. Et vous voulez que je fasse croire que je bosse ici? On te demande juste de faire semblant. Tu vois, semblant. Arrête de poser des questions pour tout et finissons-en avec cette discussion stérile. Stérile? Attends, c'est moi que tu te traites de stérile? Je vais te défoncer les burnes et on verra qui c'est. Hey, on va se faire attraper et je serai virée. Avec tout le mal que j'ai eu pour trouver ce travail, bon sang. Pourquoi je me suis laissée convaincre de faire ça à mon travail? Parce que tu disais que pour Hugo, tu ferais n'importe quoi. Bon, vous savez quoi? Ce n'est pas si compliqué. Il débarque, il voit qu'on est heureux de travailler là, il repart épanoui, parce que leur fils est heureux et tout le... Ça marchera pas. Ça marchera pas. Si j'y crois pas moi-même, comment voulez-vous que ses parents y croient? Regardez, madame. C'est celui-là. Si vous me permettez, je vais vous aider. Merci. Voilà. C'est celui c'est qui est là. En face. T'as vu ça, Prospero? C'est magnifique. Oh, tu ne peux pas savoir comme je suis fier de toi. Je ne vais pas pleurer. Je ne voudrais pas t'embarrasser devant tes employés. Mais arrête, laisse donc respirer cet enfant. Venez, on va prendre une photo tous ensemble que j'enverrai à toutes les personnes que je connais. Mais maman, tu sais très bien que j'aime pas me bander. Arrête, eh bien, moi, j'adore. Rapprochez-vous. Voilà. Elle va aller directement sur Twitter. Cheers. Regardez, elle est super. On voit là tout de suite. Je peux savoir ce que tu fabriques? Où est-ce que tu m'as traîné? Et d'où tu sors cette voiture? Eh bien, disons que je fais le pont entre les relations hispano-germaniques. C'est à quel étage? Mon amour, calme-toi. J'ai quelque chose d'important à t'annoncer. En fait, c'est peut-être pas tout à fait le bon moment. Si, parce que s'il y en a un qui doit savoir, c'est toi. Mais plus tard, ce sera mieux plus tard, d'accord? Arrête de m'interrompre à chaque fois que je veux te l'annoncer. Quoi? Oh, pardon, c'est moi, excuse-moi. Je suis agressive. J'ai voulu tant de fois t'annoncer cette nouvelle que je sais plus comment... comment le faire maintenant. Mon amour. Tu vas être père, je suis enceinte. Un enfant? Oui. De moi? De qui d'autre, bien sûr. Tu sais, mon amour, ça fait un peu plus de 2000 ans qu'une femme n'est pas tombée enceinte grâce à une colombe. Préparez-vous!
Tiens, préparez-vous, ils arrivent. Est-ce que tu... T'as entendu? Ils arrivent, ils arrivent. Même l'ascenseur est merveilleux. Oui. Voilà, c'est là que je travaille. Merci Fuentes, un familieux. Guten Morgen. Enchantée. Je suis la réceptionniste. Mon nom est Heidi, comme dans le dessin animé. Mais je ne garde pas les chèvres. Pardon pour mon français un peu... Non, ne vous excusez pas, elle parle très bien. Non, vous parlez très bien. Danke, danke. Akan, Akan, permettez... Je vous présente Monsieur Akan Akman, notre directeur commercial. Oh. Akan, veuillez l'excuser. Monsieur a appris à l'instant qu'il allait être père, alors... Oh, félicitations, quelle bonne nouvelle. Espérons que l'enfant ressemble tout à fait à son père. Aksin Kapat, et sur le choc. C'est parce qu'il a appris dans la foulée que la prime pour bébé vient d'être coupée. Ah. Et Ercy Fuentes, votre secrétaire. Ma secrétaire? Bonjour. Bonjour. Je suppose que vous êtes les parents de Monsieur Cifuentes. Je suis ravie de vous rencontrer. Je ne savais pas qu'il avait une petite sœur. Une petite sœur? Si nous étions frères et sœurs, je peux vous dire que nous passerions la nuit de noces la plus ennuyeuse qui soit. Je suis Nadia, sa fiancée. T'as vu un peu ça? Je suis passé de dealer à chauffeur. Ça, c'est ce qu'on appelle le miracle allemand. Si tout se passe bien, je pourrais faire un business de limousine. Enfin, je présume que t'as conscience que tout ça n'est pas vrai et que la voiture a été volée, non? Bien sûr, j'en suis tout à fait conscient. Tu crois que j'ai rien dans la tête ou quoi? Attends, c'est toi, Brolio? Ou c'est l'autre, le beau gosse? C'est moi. Je suis également beau gosse, mais beaucoup moins. Quelqu'un a cherché à te joindre tout à l'heure. Ton cours d'allemand est déplacé à l'après-midi. Encore une fois, j'ai demandé 3 après-midi à Akan, j'ai plus d'excuses à lui donner. Vu comment il est jaloux, il vaut mieux pas qu'il apprenne que tu fais ça dans son dos, parce que... Je peux pas y croire. Toi, après tout ce que j'ai fait pour toi, espèce de sale petit fils de pute. Je vous laisse, je dois aller aux toilettes. Ah, c'est le défi. Ne va pas t'imaginer n'importe quoi, hein, parce que pour moi non plus, c'était pas une partie de plaisir. Je l'ai fait par nécessité. T'as fait de ton mieux, je le sais, mais reconnais-le, ça n'a jamais rien donné. Je peux pas croire que tu me fais ça. Et depuis quand, juste? Qu'est-ce que ça fait? Depuis quand? Peut-être un mois, plus ou moins. Et franchement, faut persévérer, autrement ça n'entre pas. S'il te plaît, ne le prends pas personnellement. Comment veux-tu que je le prenne pas pour moi? Ça fait un mois que tu baisses ma femme et je devrais rien dire. Non, mais non. Moi, je te parlais de la classe de... Oh, Seigneur. Écoute, je voulais pas faire quoi que ce soit avec Marisol, mais j'avais besoin d'argent. Tout ça est bien embarrassant, non? Enfin, ce que je veux dire, c'est... Tu vas voir ce que je vais dire. Non, j'étais très bien avec vous, monsieur. Mais depuis tant de temps que nous sommes ensemble, apprendre de cette façon que vous avez une autre secrétaire... T'as entendu, Benny? Hier, on lui prenait un professeur particulier, et aujourd'hui, il a 2 secrétaires. Écoutez, s'agissant de l'autre secrétaire, je comptais la renvoyer, mais... Je n'ai pas trouvé le moment. Et... Alors faites-le maintenant, que je vois ça. Quoi, maintenant? Bien. Si c'est ce que vous voulez... D'accord, mais la mettre à la porte sans lui avoir notifié que je ne voulais plus d'elle au moins 15 jours avant, comme ça... Je le savais. Voilà ce qui m'arrive quand je me mets avec des petits cons comme toi. Elle t'a appelé petit con? Petit con, c'est... Tu sais, Hugo, puisque tu dois en virer une, vire celle-ci, c'est une effrontée. Je sais, maman, c'est juste que... Attendez-moi là une minute, s'il vous plaît. Une minute. Oui, oui, oui. Viens ici! Dans mon pays, on coupe la main des voleurs! Alors devine ce qu'on coupe en cas d'annulateur! Arrête, Akan, c'était qu'une transaction! Tu crois que j'aurais couché avec ta femme si ça n'avait pas été pour l'argent? Excuse-moi?
Je vais t'écrire. Tu te calmes maintenant, ça suffit. Calme-toi. J'ai connu toutes sortes d'ennuis et je peux dire que la violence n'est pas le bon chemin. Laisse-moi. Arrête. Tout à l'heure, tu m'embrasses et maintenant t'as une fiancée, ce sera quoi la suite? M'inviter à ton mariage pour achever de m'humilier? Carla, c'était toi. Toi et ma petite sœur. Rafa, tu viens de le dire, la violence, c'est pas le bon chemin, ok? Pas grave, je prends un raccourci. Regarde-le, il va me tuer. Arrête, Rafa, c'est pas ce que tu crois. Je t'en prie, crois-moi. Que je te crois? Mais... toi, alors que depuis ton arrivée, t'arrêtes pas de mentir à tes parents. Comment? Comment ça, tu nous as menti? En fait... Je ne sais pas ce qui m'a fait le plus de mal ce jour-là. Recevoir les coups de Rafa ou lire la déception sur le visage de mes parents. Braulio, je suis désolé. Nous avons commencé cette aventure ensemble et je te laisse la poursuivre seul. Pourtant, même si je rentre avec un sentiment d'échec, je m'accroche au bon côté, à tous ces gens que nous avons rencontrés. J'aimerais te dire que je ne vais jamais t'oublier, mais je crois que c'est bien la seule et unique chose que je ne peux pas promettre. C'est pas grave. Je n'oublierai jamais toutes ces personnes avec qui, en si peu de temps, j'ai trouvé à partager tant d'amour. Mais bon, ça fait 8 mois maintenant, j'ai retrouvé mes marques à Madrid et je travaille dans l'entreprise du père de Nadia. C'est vrai que je me suis jamais senti intégré dans son équipe, mais il n'y a pas de raison pour que ça n'arrive pas un jour. Bien sûr, Nadia et moi, nous allons bientôt devenir une famille. Tu ne sais pas à quel point c'est compliqué préparer un mariage. Ça ne te laisse pas le temps de penser à autre chose. On veut que notre voyage de noces soit inoubliable, et pour ça nous voulons être sûrs de la qualité des prestations. Au final, ce qui est certain, c'est que la vie est une succession de moments. Et ceux que j'ai connus en Allemagne font partie du passé pour moi. Le kilomètre en 6 minutes. Super. T'as déjà l'air d'une Éthiopienne. Tiens, au fait, Hugo a écrit. Tant mieux, c'est super. Bon, je vais me doucher. Salut. Salut. Est-ce que je porte les mêmes chaussures? Avec ce ventre, je peux pas voir. Oui. Carla est là? Elle est sous la douche. Ah, elle doit m'accompagner au cours de préparation à l'accouchement. Oh, apparemment, c'est pour bientôt, non? Oui. L'accouchement est prévu pour dans 2 semaines. Et le père, qu'est-ce qu'il dit? Tu sais, moi, j'ai pas l'intention d'être le père. Je le serai sûrement, mais pas avec toi. Je veux dire, je sais que tu seras une mère fantastique, mais pas de mon enfant. Alors, et Akan, qu'est-ce qu'il dit de tout ça? À moi? Rien du tout. On s'est pas parlé depuis ce qui s'est passé avec Hugo. Je suis désolé. Il est peut-être un peu tard pour faire marche arrière, mais je pourrais essayer de lui parler? Non. Non, 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 non. T'avises même pas d'aller au kebab. Sauf si tu veux finir sur une broche en train de rôtir pendant qu'on te découpe en petites tranches. Dis à Carla que je l'attends en bas. Si je m'assois ici, je pourrais pas me relever. Tant pis, c'est comme ça, on le met ici. Non, je peux pas mettre mon oncle Joachim à côté de mes cousins de Soria. Ils se sont pas parlé depuis l'héritage. Oh, ça y est, je sais. Je vais le mettre ici. Ah non, il y a son ex-femme. Elle vient avec le petit jeune qui l'a remplacé. Oh, c'est la cata, vaudrait mieux mettre de la musique et quand on l'arrête, ils s'assoient où ils sont. Chérie, tu t'es plainte toute la journée. Je préfère annuler la cérémonie si c'est comme ça. D'accord, mais c'est toi qui le dis à ton père. Mon amour. Tu ne vois pas que je plaisantais? Moi aussi, moi aussi. Idiot, va. Oui? Braulio, comment tu vas? On est en train de faire le plan de table et je t'ai trouvé une place. Ça te gêne pas si t'es à la table des enfants? Justement, je vais pas pouvoir venir. Je plaisantais, tu t'assois où tu veux. Non, non, non. C'est pas ça. En fait, j'ai pas un rond devant moi. Même avec 3 petits boulots, j'ai pas le salaire minimum.
Et comme Akan m'a viré sans justification... Je sais pas ce qu'il te faut, t'as mis sa femme enceinte. Non, sans justification liée au travail. Comment ça va là-bas? Il fait toujours aussi froid. Et au fait, comment va... Rafa? Tu veux des nouvelles de Rafa avant Carla? Soit t'as vraiment tourné la page, soit t'as Nadia juste devant toi. Oui, oui, ah, oui, c'est ça. Bah alors, dis-moi, comment elle va? Écoute, je vais pas te mentir. La pauvre, elle est super mal. Elle s'en remet pas. Elle veut plus tomber amoureuse. Elle dit même ton nom dans ses rêves. Non, c'est vrai? Non, mais j'aurais adoré voir ta tête. Elle va bien. Quand elle est pas en train de travailler, elle court et autrement, elle aide Andrés. Son état empire? L'autre jour, il a laissé le gaz allumé. Il a failli tout faire sauter. Le pauvre n'arrive plus à se débrouiller seul. Quelle ironie, hein? Il voulait pas aller en maison de retraite en Espagne et il finira par être placé dans une d'ici. Oh, chérie, j'ai trouvé! Je vois. Bonjour, Juana Hernandez? Oui, c'est moi. Je suis un ami de votre père. Enfin, je le connais... Enfin, il m'insultait tous les jours. Mais c'est pas à vous que je vais dire comment il est. Dites-moi ce que veut mon père. Il ne sait pas que je suis ici. Je ne sais même pas s'il se souvient de moi. Votre père a Alzheimer. Pardon? Je sais que vous êtes en mauvais termes, mais je crois que vous devriez le savoir avant que son état empire et qu'il ne vous reconnaisse plus. C'est pas à moi de vous dire quoi faire. Mais... parfois, on regrette toute notre vie de ne pas avoir su prendre la bonne décision. Ça suffit, papa, s'il te plaît. Ça a été comme ça toute la matinée. Si j'avais su, je me serais marié à Las Vegas. Je peux te dire que ta mère aurait fait une crise. Elle est tellement contente que tu fasses un beau mariage. Elle qui n'a pas pu en faire un. Tu peux toujours courir. Et maintenant, nous allons en Allemagne, où a lieu une nouvelle édition du Marathon de Berlin. La ville est paralysée par une course qui a battu des records de participation. 40.000 registrierte Läufer mit dem gleichen Traum. Das Ziel erreichen und die über 42 Kilometer quer durch unsere Hauptstadt Berlin hinter sich zu bringen. Wie Sie sehen, haben wir sonniges Wetter, ideal für dieses wichtige Ereignis. Und damit kommen wir zum Wetter in dieser Woche. Bonjour Prospero, où est Benny? Benny? Elle est là-bas, elle organise tout. Tu vas bien, fiston? Oui, oui, parfaitement bien. Si tu continues comme ça, tu n'auras plus faim pour le banquet. Hein? Tu sais ce que c'est, je suis tendu à cause du mariage. Ouais. C'est une étape importante et c'est pour le reste de la vie. Bonjour. Il faut soupeser le pour, le contre, lire les petits caractères du contrat. Les petits caractères? Ça veut dire quoi, les petits caractères? Ben, t'es sûr de vouloir te marier? Ouais, bien sûr que je veux. Ah, ça fait 5 ans que je suis avec Nadia. Parfait. Et son père a été très bien avec moi. C'est grâce à lui si on a encore un toit. Ce mariage, c'est très bien pour nous tous, papa. Je te rappelle que tu vas te marier. Tu vas pas signer pour un plan de retraite. C'est pas ce que vous vouliez pour moi? Que je fasse de longues études et que j'ai un bon travail et que j'ai une jolie maison et que... Oui, tu as raison. Et un 4x4, un appartement à Corriviera. Mais toi, tu veux quoi? Finir comme moi? Eh bien, je suis tellement inquiet à cause de l'hypothèque que je ne dors plus. Tous les matins, je me lève avec ce poids sur la poitrine qui m'empêche de respirer. Quand je regarde les infos, je serre les fesses de peur que le gouvernement nous ponde une nouvelle taxe. Et chaque jour que Dieu fait, je me demande qui peut bien être ce malheureux qui nous a fait croire que c'était ça le bonheur. Bonjour, Prospero. Bonjour, ça va? Pour moi, c'est trop tard. Mais pour toi, il y a encore temps. Vis la vie que tu désires. Pas celle que tu peux. Vive la mariée! Vive la mariée! Thank you.
Hugo, voulez-vous prendre Nadia comme épouse, lui promettre fidélité dans la joie comme dans la douleur, dans la santé comme dans la maladie, et ainsi de l'aimer et de la respecter jusqu'à la fin de votre vie? Je... Oh oui, je viens d'aller faire un petit footing. Vous savez quoi? Les gens de l'évêché disent que je suis trop serré dans les chasubles. Et pourtant, je fais attention à ce que je mange. Je peux vous dire que je suis très pointilleux. Je ne vais pas manger n'importe où et... Bon, comme je vous demandais, vous voulez ou vous ne voulez pas? Je... Je ne veux pas. Ça, c'est gonflé! Excuse-moi, qu'est-ce que tu as répondu? Je suis désolé. Je sais que c'est difficile à comprendre, mais... Si j'étais allé plus loin et que j'avais répondu oui, je me serais menti à moi-même. Et je t'aurais menti, ce qui est encore pire. Tu comprends, Nadia? Papa? Appelle l'avocat! Qu'est-ce qui te passe par la tête? Papa, est-ce que vous vous en sortirez? Bien sûr, tu n'as pas à t'en faire. Enfin non, mais il y a assez d'hypothèques dans cette famille pour que tu n'hypothèques pas ta vie. Merci. On va comme ça. Écoutez, je suis désolé. Quelles hypothèques? Est-ce que tu vas me dire ce qui se passe à la fin? Bon alors, pour résumer la situation, à part mon nom, il n'y a rien de prospère ici. Qu'est-ce que tu dis? Comment tu vas, Andrés? Je te sers comme d'habitude? Je pense bien, oui. Y a pas à dire, Pépé. Toi, tu me connais. Va pour cette petite paella que tu fais si bien. Et un petit verre de vin rouge, non? Je dis pas non. Ça se refuse pas. Pauvre Andrés. Ça empire de jour en jour. Salut, Akan. Comment tu vas? Ça a changé ici. C'est tout neuf, non? T'aurais... pas fait des travaux, c'est chouette comme ça. Autant, ce serait pas le petit con qui s'occupait de ma femme pendant que je lui donnais du travail? Donne-moi le couteau que j'utilise pour l'agneau. Je crois que je vais l'essayer sur un cochon. Donne-le-moi! Non, franchement, Akane, il est inutile de rompre le ramadan pour moi. Sors d'ici tout de suite! Je suis juste venu te dire que Marisol accouche dans une petite semaine. Il naît beaucoup d'enfants dans le monde. Et ce ne sont pas mes affaires. Tu entends? Personne ne m'a demandé mon avis. Fais pas l'idiot, c'est ta femme, non? Et alors? Akane, pendant des années, vous avez rêvé de fonder une famille. Et aujourd'hui, t'es prêt à tout perdre? Venez m'aider! Marisol a commencé le travail. Elle a perdu les os. Akane, tu peux pas laisser passer cette chance. L'embarquement pour Berlin se termine dans 10 minutes. Ça m'est égal, je le prends. Si vous voulez la voir, vous devez courir très vite. Oh, bon sang, il faut appeler un taxi. Non, pas la peine. Mauvaise idée. Le quartier est complètement bouclé. Je sais, on va prendre le métro. Non, il est en travaux. Je sais, le bus. Non, c'est l'heure de pointe. Tu vas la fermer, oui. Je vais la conduire moi, avec ma fourgonnette. Fais le riz, tu oublies le riz. Il va être trop cuit et tu sais très bien que je déteste le riz qui colle. Eh, viens avec moi, je vais te le servir en terrasse. Ah, ça, je dis pas non. Mais tu fais quoi, là? Quoi? Je peux pas le laisser là, il a Alzheimer. Quoi? T'as dit Alzheimer? Qui, moi? Bande de vauriens. Pourquoi personne ne m'a rien dit? Les amis disent... Allez, dépêche-toi, Akane, on n'a plus le temps. Attendez! Attention! Tenez! Monsieur, pourriez-vous remonter votre tablette? Nous allons atterrir. Oui, bien sûr, tout de suite. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est bouché partout! On t'a
dit à droite, tu comprends rien. Si, j'ai très bien compris. Mais comme on dit souvent, le voleur croit qu'il est toujours en condition. Et arrête avec tes dictons qui ne veulent rien dire. Comment veux-tu m'enseigner l'allemand? C'est normal que j'ai suivi les cours dans ton dos. T'as oublié ce que tu as fait derrière moi? Je vais t'aplatir ta tronche comme un pain, putain. Mais vous allez arrêter de faire les gamins! Ici, il n'y a qu'un gamin et c'est moi qui le mets au monde! Moi, je vous le dis, c'est certain, on va pas y arriver. Rafa, à quelle fréquence sont les contractions? Je vais faire attention. Et pour être précis, une contraction, c'est quoi? Oh, bah tiens, voilà, justement, c'en est une! Elles sont de plus en plus rapprochées, qu'est-ce qu'on fait? Le mieux, c'est de s'en remettre à la chance. Foi, oublie ta machine parlante et tourne à la première à gauche. Où est la maternité? C'est pas l'artère Castellana ici? Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est le marathon! Il y en a un qui veut savoir qui va gagner. Parce que je crois qu'il arrive. Non. Danke, danke. Du geht es aber nicht. Attendez-moi ici. Maman, pourquoi tu serres pas les dents comme on fait dans la vie? Rafa, arrête de te plaindre et cherche un docteur ou une ambulance, non, d'accord? Non, t'inquiète, ça va beaucoup mieux, c'est gentil. Ah, pour elle, bien sûr, j'y vais. Hé les gars, c'est flippant. Je viens juste de voir Hugo qui courait le marathon. Mais avec un costume comme le monsieur du Monopoly. Et à part ça, c'est moi qui suis censé débloquer. Tu n'arriveras jamais à mon âge, mon garçon, c'est moi qui te le dis. Rafa, arrête de dire des conneries et va trouver un médecin. Bon, j'y vais. Ça y est, j'en ai un. Docteur. Oui, c'est ça, dites-moi. Hein? Ah, la dilatation. Merci, docteur. Il a dit la dilatation. Il faut contrôler la dilatation. Vaut mieux que tu regardes. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. Pardon. Justement, je voulais t'en parler. Tu vas être scié. J'étais à l'église et mon père a raison, j'ai toujours cherché des choses que je voulais pas vraiment. Mais heureusement, je m'en suis rendu compte à temps parce que... C'est ça, il y a 50 000 coureurs aujourd'hui et c'est moi qui t'embête avec ça. Mais... Où est-ce qu'il est écrit que je dois supporter Steve? Mais Carla, je t'en prie, attends. Ah, j'ai des ampoules aux pieds.
Il arrive! Il sort! Je peux voir sa tête, Braulio! Demande ce que je dois faire! Qu'est-ce que je fais? On voit la tête du petit! La tête du petit sort! Oh, ouais. C'est ça! Ouais! Tu dois tirer! Tire! Mais je fais comment? Par les oreilles! Non, écoute-moi! Il faut que tu prennes sa tête en étau entre les doigts et tu tires en le faisant pivoter comme ça jusqu'à ce qu'il sorte! Il manquait plus que ça! V'là qu'il se prend pour un médecin! Mais non, imbécile! C'est comme ça que ma fille est née! C'est le genre de choses que tu ne peux pas oublier! Pousse, Marisol! Pousse! 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 Allez, pousse! Je l'ai fait! J'y suis arrivé! J'ai donné naissance au petit! Oh, ne pleure pas, mon bébé! Je suis là, papa est là! Papa! Oh, t'as dit papa! C'est magnifique, hein, Andrés? On a aidé à mettre une vie au monde! Et ça? Ça, on ne l'oubliera jamais. C'est ce que je te disais, c'est un souvenir qu'on ne peut pas oublier. On ne peut pas oublier ça. Oh. Ah, au fait, nous n'avons pas été présentés. Moi, c'est Andrés. Carla, j'en peux plus. Je t'en supplie, arrête-toi. Arrête-toi. J'ai parcouru 3000 km, je t'ai trouvé parmi 50 000 personnes et je me suis ridiculisé devant 200 invités quand j'ai dit au prêtre « Non, je ne veux pas !» Quoi? T'as refusé? Oui. Je crois que si quelqu'un dit ça, c'est parce qu'il est follement amoureux ou qu'il a perdu la boule. Eh bien, on dit que les Allemands sont peu expressifs, mais apparemment ils savent apprécier un beau baiser. J'en reviens pas. Merci. Je suis allée jusqu'au bout, j'ai fait mon premier marathon. Félicitations. Oh, si j'avais pas autant de crampes, je sauterais de joie. Je suis trop contente. C'était toi. Alors, mais t'es obsédée ou quoi? Comment t'oses revenir après ce que t'as fait? Hey, tranquille, j'ai encore des plombages à changer depuis la dernière fois. C'est elle qui m'a embrassé, d'accord? Oh, qu'est-ce que je suis content de te voir. Depuis que t'étais partie, elle était insupportable. Bon, bah, puisque t'es habillée en mariée, tu peux embrasser la mariée. Ça suffit, allez, on a compris maintenant. Hé, vous n'êtes pas obligé de vous rouler des pelles non plus. C'est bon. Vous m'entendez? C'est bon. Bonjour papa. Je suis enfin heureux et cette fois-ci je te mens pas. J'ai choisi la vie que je voulais, pas celle qui se présentait à moi. Et grâce à toi, j'ai appris que si tu te bats pour avoir ce que tu veux, la vie te récompensera. Vous n'êtes que des crapules. Voilà ce que vous êtes. Des crapules sans scrupules. Proprio exproprié, finissez à la rue. Proprio exproprié, finissez à la rue. C'est dur d'être loin de chez soi. Mais ici, on est là les uns pour les autres. Et presque sans le vouloir, nous avons fini par former une famille. Ou en tout cas, quelque chose qui y ressemble. Les raisons pour lesquelles on émigre changent à travers les époques, mais les migrants sont toujours les mêmes. Je crois que c'est Marx qui disait que l'histoire se répétait toujours deux fois. La première comme une tragédie, la seconde comme une farce. Attention à toi, hein. Et j'ai bien l'impression que notre génération est destinée à faire partie de la farce. Dans mes bras? Franchement, j'en reviens pas. Ça fait un an qu'il galère en Allemagne et en deux secondes, il obtient une bourse de la Chine. Tente plus ta chance à la loterie. Rafa, on essaye de lui remonter le moral. Ne t'inquiète pas, ça va. Je sais pas comment ça se passera, mais je sais que j'ai un don pour les langues. Chan chan ha hao. Ning jai nao ma. Chao san hao. Ni hao ma. Cha cha chan ha han nich nao ma. Chao song huai. Ni hao ma?
Avec tous les rouleaux de printemps que j'ai mangés, je suis même pas fichu de dire ça. Si tu savais à quel point tu me fatigues. Mi querida España. Esta España mía, esta España nuestra. Tu santa siesta ahora te despierta, pero sos de tu vida. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos de tu cabeza? Esta España mía, esta España nuestra. Blalio. C'est agréable de parler de la même langue, mais c'est Borio. Blalio. Non, c'est un B avec un R. Bra. Bla. Bla. Non, non, bla. Comment on dira le S? Bra. Blaso. Voilà. Bello. Ouais, quoi? C'est ça, professeur. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Vuelta. Brandebourg. Blaldenbull. Il a tout mélangé, les B, les P. Il ne sait même pas, tu parles d'un professeur de chinois. Yeah, un professeur qui... Tuvo que ser aquí, con lo mal que aterricé, el porvenir suspenso y este frío calando los huesos. Plato en la mesa y ese beso antes de de boca pequeña, esa que olvidó que esto ya pasó, que la historia pierde siempre la memoria y la vida es circular. Y dime qué hago yo con esto que me araña tanto dentro, dime qué hago. Ser dos, el momento exacto, un oasis entre tanta arena. Los que brindaron por la casualidad, la certeza, la ternura de tu boca y este miedo a volar. Y dime qué hago yo con esto que me araña tanto dentro. Dime qué hago con
serai.